It's my great pleasure to welcome Eduardo Soto de Mora to the AA tonight. As you know, Eduardo practices in Oporto in Portugal and is a graduate of the School of Architecture there. He graduated in 1980. Prior to finishing his architectural education, he in fact worked with Alvaro Siza between 1974 to 1979. And since 1980, he's had his own practice in Oporto. One of the things that I think is remarkable about Eduardo's work is that he's managed to, in a sense, rework the whole project of modernism, initially through a series of domestic residential projects that, in a sense, questioned the kind of ideality of the architectural object and developed a series of projects that became much more involved with the whole question of site and the ideas of landscape. And in a number of projects, in fact, incorporating, in a sense, the landscape into the architecture. One of the kind of bonuses of that schema and that project has been an incredible involvement with the whole question of materials in his work. More recently, Eduardo has left the domestic project, has left the residential project a little bit, and has become more involved with a number of public buildings. He's currently working on two museums in Oporto, two projects in Paris, and one in Italy. The work of Eduardo Soto de Mora has received numerous awards, among them, to just pick on two important ones, are the Cecil Award for Architecture, which is a Portuguese award, and then in 1995, he won the International Prize for Stone in Architecture. It is my great pleasure to welcome Eduardo Soto de Mora and to just let you know that Nasrin Sergi has kindly agreed to translate the lecture from French into English. Thank you very much. The both? This is not this is the projector 2 for 1. I make the. This is the power. I don't know. John will do it. This. It works. Let him do it when you want to have the thing second. Or I think this is the one that you press. Let's just see. These are the 2 for forward. So I don't know why this, the light is on. This is how you press to go forward. These 2. Here. Yeah. No, thank you. Excusez-moi de parler en français. La première chose que je veux dire, c'est merci pour l'invitation d'être ici dans cette école pour la troisième fois. Excuse me for speaking in French, and thank you very much for inviting me for the third time to the school. Ça sont deux images d'une installation que j'ai dans une exposition à Zurich. Ils m'ont invité un architecte pour faire une installation. Ce n'est pas facile pour un architecte de faire de la sculpture. They are two images of an installation in Zurich for an exhibition which they had invited me to work on. It is not very simple for an architect to deal with the problem of installation. J'ai décidé de faire quelque chose près de ma profession, de mon travail, et j'ai décidé d'installer 4 objets. I tried to work within the realm of my profession, and I attempted to install 4 objects. 2 tables, une moquette et un tableau de tapis. Ça veut dire pour donner l'ambiguïté des échelles qui en travaillent maintenant. 2 tables, 1 moquette and a painting or a tableau or a drawing of tapis in order to give a scale
to the installation. On peut avoir une lecture de ça comme une installation domestique, une atmosphère domestique avec le tableau, et on peut, d'une autre façon, voir la moquette, c'est de plastique, c'est de l'herbe, et on peut voir la table comme une maison avec une autre table comme un meuble. We can have different readings of this installation. One is the way that one reads the domestic scale. The other would be the way that one actually reads the plastic nature or the material of the moquette or the what is it, rug? Carpet. Moquette, carpet. And in another sense, it's the way that one looks at the scale, the domestic scale of the installation. Le tableau s'appelle la scène. Ça veut dire que c'est le lieu où on fait le théâtre. Pourtant, l'obligation des architectes, à mon avis, c'est dessiner les limites pour, après, les gens doivent inventer l'action. The tableau is called the scene or the stage. At the same time, I think that the architect has to design the limits of the object. Of the object. He's gonna do this thing to you all night, so. I know. Pourtant, ça veut dire que pour moi, faire une table ou des meubles, c'est la même chose que faire l'architecture. On a besoin d'un lieu, un client, un ingénieur, et une fonction, et une forme. Are you going to do this, or shall I do this? I'm sorry. The work of the architect involves the not only the design of the furniture, but mobile is furniture, isn't yes. it? Yeah. But for this, there's the need for an architect, an engineer. J'ai oublié le troisième. A site. J'ai and une obsession pour les tables. Et j'ai dessiné beaucoup de tables et ça, ces deux images appartiennent à une famille de tables. Et la plus petite qui est à gauche, elle a 55 cm et l'épaisseur c'est 2 cm. L'autre, la plus grande, elle est à 4 mètres et elle a 6 cm d'épaisseur. La différence c'est 1 demi-mètre, 2 centimètres, 4 mètres, 6 centimètres. I try. In yes, English. I'm obsessed with tables. I have designed this table, which the difference of I'm going to again ask you the difference of the numbers since I didn't note down the numbers as a translator. 50 centimeters or 55 centimeters and 2 centimeters depth on the left. And the other one is how long? 6 meters? No, 4 meters. 4 meters and 6 centimeters deep. La dernière qui est à droite, c'est une table qu'ils m'ont demandé pour le Conseil des ministres du gouvernement du Portugal. The table which is on the right is the table that I designed for the cabinet of Portugal. Well, within the cabinet minister of Portugal. Pourtant, ce sont des analogies maintenant entre des tables et des maisons. That would be an analogy between tables and houses. On peut manipuler les tables avec des objets qui ont pour manger et pour travailler au-dessus, mais on peut s'installer à l'intérieur comme des enfants qui jouent au bas des tables. We can think of a table as an object which we put things on top of it. At the same time, we can think of a table as an object which houses the function, or not the function, but the games of a child or children that can be within it. Another example. C'est un autre meuble pour le Premier ministre qui voulait une petite table. Le téléphone près de la table. It's a furniture for the Prime Minister, which wanted, I'm going to say, a house basically for a telephone.
avec la BBD. Maintenant, je dessine un projet pour faire le musée des transports à Porto. Je suis désolée, mais avec la... La même idée. Avec la même idée. With the same idea, I wanted to build this house in Porto. Le programme, c'est faire des offices, des bureaux provisoires pendant 2 années pour installer la commission qui va faire le musée. J'ai décidé de faire une construction préfabriquée. I'm sorry, I correct myself. I said a house, it's a museum. It's a transport museum, and the idea was to play with the idea of with the temporary items within the museum itself. During 2 years. Left is not this picture, please. No. No. The left slide is not falling. Okay. This is okay. Okay. But this left next, one. Please. Next on the left. On the left. Okay. Thank you. It's it's the bridge now. That's right. This is just to keep me busy, I suppose. No, je continue en français. C'est un pont à Lisbonne pour des piétons, pour faire la colligation entre les deux parties de la ville, la partie ancienne qui est en haut. Et la partie près du port qui est en bas. This is a pedestrian bridge in Lisbon to connect two areas of the town. One, the old part of the city, and I lost the other part. The port. The new port. The part which relates to the port. J'ai choisi le lien et j'ai adapté une plateforme des anciens escaliers en marbre. Pour faire la transition entre la ville et le port. Ce sont des escaliers baroques. Excusez-moi, vous répétez ça? J'ai choisi le lien pour mettre le pont. J'ai choisi la plateforme des escaliers baroques pour adapter le pont en métal et faire la transition entre la ville et le port. D'accord. Therefore, the platform or the area that you arrive on the Baroque staircase, which is on the left, is used in order to make the transition or the liaison between the port and the old part of the city. Le pont, c'est le plus simple possible. Ce sont deux structures de fer. Avec une sous-structure en bois qui fait le sol. Le sol. Le sol. C'est en bois. Le sol de pont. Du pont. D'accord. It's a very very simple structure. It's made of two materials. One which is the structure in steel, and the floor of the or the deck of the bridge being in wood. Au-dessus du pont, il passe le chemin de fer, et la différence entre les ponts normaux, ce sont les escaliers qui c'est la structure du pont. Pourtant, ce n'est pas autosuffisant. D'accord. Et après, on ajoute des escaliers. C'est le contraire. On construit les escaliers, et après, les escaliers sont la structure du pont. D'accord. So the staircases of the bridge are actually the one that are
constructed or built first in order to support the structure of the bridge. And the bridge is in fact not suspended, but it spans over the railway lines. Avec les mêmes ingénieurs que j'ai bâti les tables, par exemple, et le pont, ça c'est la structure de la table du Premier ministre. With the same engineer that has built the has worked on the structure of the tables and the structure of the bridge, this is a view of the structure of the table for the Prime Minister. J'ai dessiné une petite galerie d'exposition d'un centre commercial qui est à gauche. Oui, mais j'ai pas compris. Vous aviez dit que ça, c'était la structure que vous avez travaillé avec le même ingénieur. Mais c'était la structure pour la table ou c'est la structure oui, pour... Oui, avec le même ingénieur qui a fait la structure pour la table. Oui. J'ai dessiné la structure pour une petite galerie. D'accord. So, it's the same engineer in question which has worked also on the structure of this very small gallery. La question de la galerie, c'est faire une division en deux parties, une partie publique et privée. Et ce que je ne voulais pas était faire un mur qui touchait le plafond et le sol complètement, pourtant seulement séparé et pas fermé. The idea or the question that was involved in designing the gallery was a separation between the top structure and the, could I say the top structure and yeah. the bottom, and not to actually separate them in any solid form. C'est pour ça que j'ai bâti un mur avec une structure comme un pont qui a ajouté des briques et après un plâtre construit avec de la terre jaune. That's why I constructed this wall which had the same structure of a bridge. Which is filled and covered with this color, this ochre color, plaster. La question était que dans le sol il y a un parking dans le centre commercial. Pourtant le mur il touche seulement le sol en deux points. Et la question de faire utiliser la terre, ce n'est pas une question romantique, vernaculaire, mais utiliser un plâtre le plus faible possible pour ne pas avoir des déformations avec la structure. Mais la terre, il y a une différence entre la terre que vous dites et le plâtre. Oui, la composition du plâtre, c'est presque la terre avec un petit peu de ciment. D'accord. So the wall is actually only supported on two points, and the reason for using the plaster and earth was to turn the structure, but also the visual structure of the wall, into a very very light material. Ça c'est une petite maison qui est avec trois éléments, un mur de pierre et deux cubes qui sont les deux parties principales de la maison. Un cube, c'est la partie du jour et l'autre cube sont les chambres. It's a small house which is based on the idea of two cubes and one wall. One of the cubes being the bedrooms and one for the living area. Dans le milieu entre les deux cubes, il y a un patio qui fait la. C'est comme le cœur de la maison qui fait le centre de circulation entre les deux. So, entre les deux cubes. Oui. Between the two cubes, there is an area which acts as the center of the house, but
it also acts as the circulation of the house. De temps en temps, je peux parler anglais. The two facades from the north and the two coupes the other side. And the small patio in the middle. Is the main entrance with the door, and we can see the other part of the plot. And in the middle, it's the patio with this tree. You can see the tree. The wall is built with two walls in stone and a metal structure, steel structure, mm-hmm. in the middle. And at the end of the walls, there are big stones to make the idea that the wall is a very strong wall. In the middle, we cut between the two coupes from outside to outside. There is a skylight in the middle. And on the basement, this stair, it's a reference from Barragán, but it's not against the wall. It's completely freestanding. Alone. 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 There is a steel structure inside. It's covered with wood. The material of the here. Floor. Of the floor, it's a handmade ceramic Portuguese, very old. The living, it's covered with the sliding doors in acier inoxydable. In stainless steel. Yeah, avec des murs, des verres miroirs. With mirrored glass. Pour donner la continuation, et la maison, comme l'espace était très petit, va devenir un objet très fort. In order to accentuate the continuity, and also because the house is quite small, to allow the space to show its bigger, to show its scale and size. This is a view from the inside of the rooms and from the outside. And I put these trees to close and to give some privacy against the landscape. Another house on the north near Spain. This is a river where there is these mountains cut by walls, and the Romans cut the mounds to build these platforms. And in this site, we produce the port wine. Je continue en français, excusez-moi. Le client est arrivé, il voulait une maison très économique et très petite pour passer seulement les week-ends. The client had asked me to design a house which was very economic, cheap budget, also a place, a very small house, also a place where he would only be there for the weekends. Près de dans la maison, il y avait dans le terrain, il y avait une petite ruine qu'il voulait restaurer. J'ai laissé la ruine comme elle est, comme un jardin ouvert, et j'ai bâti la maison à côté de la ruine. On the site, or on the terrain on the site, there was a part of ruins, that the remains of ruins that the client wanted to keep, and therefore I built the house next to it, and I kept the idea of the ruins and transformed that into a garden. Parce que la ruine, elle était tellement belle. Si on la touchait, elle allait à perdre son caractère de nature. The ruins were so beautiful that if we touched it or if we did do anything to it, it would have completely denatured its existence, and that's why we didn't touch it. Ça, c'est le négatif. Pourtant, on a
démoli les murs en pierre, on a introduit la maison au sous-sol et on a bâti comme elle est à droite. This is how we actually excavated and began to build the walls around it and how we filled it, and that's the house on the right hand slide. Ça sont deux détails, c'est la vue de l'extérieur de la maison. J'ai utilisé des profils en aluminium renforcés en fer à l'intérieur. These are two views, one from the exterior on the left, which I've used aluminium, what's the word for it? Profiles, and reinforced with steel structures within the aluminium profiles. J'ai continué les murs en pierre pour introduire un troisième espace entre le paysage et la maison elle-même. C'est pour ça que de l'intérieur de la maison, on voit les murs extérieurs. I reinforced the idea of the landscape outside by continuing the walls that you see, the stone walls on the outside, and in order to frame the landscape, but also that's why we see those walls from the inside of the house. Ça, c'est le mur que j'ai détruit à l'extérieur, et après j'ai introduit le mur à l'intérieur. Et ça me sert comme la structure de la maison. Those are the walls that we demolished on the exterior of the house, and then I used as a structure and reintroduced them in the interior of the house. And they are the structure of the house. On parle de structure et l'ingénieur qui a travaillé avec moi, il m'a dit qu'il avait besoin d'un pilier dans cette grande fenêtre. We talk about structure and we talked about structure, and the engineer that was working on the house asked me to introduce a column within this the large area of the window which is looking out onto the landscape. Mais à la fin, il a réussi à ne pas le mettre. Ça veut dire que maintenant le pilier, il est faux. And after, well, not after the negotiations, but I suppose that's what happened. The translator's footnote. The engineer decided, and we decided that it was actually not needed, and therefore, it's not working as a piece of structure. Non. C'est le chaos. Non. Can you change the slide on the left to put it on the right way around? The both. Please? Both. Also on the right, please. On the left. Yeah. No. Back. Vous voulez changer le diapo ou c'est... Oui, c'est ça? Oui, c'est en retard. D'accord. Could you go back on that, Joel, please? Please, go back. Back again? Yeah. Back. And back again. OK. Et on parlait de le pilier, c'est faux parce que j'ai travaillé tout le temps dans la maison avec ce pilier et la transition entre la maison et le paysage. Et j'ai pensé beaucoup aux images de Miss Van der Rohe. Et quand l'ingénieur m'a dit, tu n'as pas besoin du pilier, moi je ne pouvais pas imaginer le paysage sans cette intervention artificielle. Pourtant, il est là, attaché seulement. On voit là. So the way that I worked with the structure right through the design and specifically with the images of Nice
integrating the structure into the way that one looks into the landscape became part of the evolution of the design of the house. At the same time, when the engineer came and said that we don't need that, it was very, very difficult for me to actually abstract it and put it aside, as it was something that had become part of the design process. Et je n'ai pas eu beaucoup de problèmes de conscience parce que mais il faisait beaucoup de piliers fausses. And I didn't have any conscious problems because Mies worked with a lot of false columns anyway. It's true. Ça, c'est la couverture qui après s'est remplie en terre. Et la boîte en métal sont les... C'est une boîte où on peut fermer les verres, je ne sais pas dire en français. Même en français, sont les... Comment on dit en espagnol ou en portugais? C'est comme ça. Ah oui, c'est une sorte de grille en fait. Oui. Ouais. Pour la ventilation. Oui. Cheminée et ventilation. Cheminée. So that is actually the view of the roof of the house, which was then filled with earth, and the little protrusions are in fact the ventilation of the house, but also the outlet of the chimneys. Ça, c'était notre maison à Porto, et je dois raconter très vite l'histoire de cette maison. C'est une maison bâtie. Elle a été commencée pour le directeur du Banque du Portugal. Qui, je te raconte l'histoire en deux minutes, parce que c'est très curieux pour comprendre qu'est-ce que c'est le Portugal. Et il a commencé à bâtir la maison parce qu'il était très riche. Il était directeur du Banque du Portugal et l'argent, il était fabriqué ici à Londres. Pourtant, tout l'argent du Portugal, c'était le directeur qui donnait des ordres. À la fin, il donnait des ordres pour fabriquer de l'argent, pour lui-même et pour le Portugal. Pourtant, il a devenu l'homme plus riche du monde. Il a commencé à faire... Tout le monde a compris. Il a commencé à faire une maison avec un palais. Et il allait à la fin en prison. Il a laissé une ruine qui a été à Porto, seulement avec le rez-de-chaussée. Et qui s'appelait la belle qui dormait, comme ça, quelque chose comme ça. Pourtant, un client m'a acheté le terrain et la ruine, et j'ai démoli la ruine, j'ai réutilisé les pierres pour faire une maison. Pour vous-même? Hein? Ou pour le directeur? Non, pour moi-même. Non, non, le directeur, il est mort en prison. Et c'est juste. It's just a little anecdote coming into the story of the director of Bank of Portugal, and it's in order to understand not only to understand Portugal. In fact, the anecdote is for us to understand Portugal, is that the director was not only giving the was of this bank being rich and trying to use the money that he had to build a palace for himself. At the same time, the director is giving not only orders in order for the money to be spent, how the money should be spent within the context of Portugal, but also how this money could be spent in terms of him building his palace. The director died. There was a structure of left on the site, which was called the Sleeping Beauty. And I took the site to build the house. Bien. Ça, c'est maintenant, on va expliquer des maisons que ce n'est pas pour une question d'écologie que je réutilise les matériaux des anciennes maisons. Parce que ça, c'est une autre histoire que je dois raconter. Le problème au Portugal, c'est ça. C'est un pays qui a une tradition de construction très forte, vernaculaire. Mais c'est fini. Et il n'est pas arrivé une autre solution, plus industrielle ou high-tech, quelque chose comme ça.
Pourtant, la contradiction, c'est qu'il n'y a pas une construction artisanale avec des matériaux traditionnels anciens, comme la pierre, le bois, comme ça, et il n'y a pas l'alternative industrielle. Pourtant, ce que je fais, c'est mélanger les deux et réutiliser les matériaux anciens, des anciennes maisons qui ont été démolies, qui sont en ruine. Et ça ne coûte rien, on paye seulement le transport, les briques, les pierres, le bois. The reason that I'm using materials that have been used is not an ecological reason. That is another anecdote that I should talk about perhaps. But it is because of the fact that in Portugal we don't have neither the technology in order to have a system of industrial building, nor the possibility of any longer the possibility of having the craftsmanship, and therefore it doesn't cost anything to reuse the material, to regenerate them and use them in new buildings. I can explain this plan. This is the street, the main entrance. I built the street, a private street, and three corpses or three bodies. The rooms with a garden, the living, and kitchen and garage from north. Did you hear that, or? Is the door, and we can see the stones of the big stones for the chairman of the bank. J'ai bâti la maison avec les pierres et je n'avais pas des pierres pour faire toute la maison. Pourtant, seulement pour la façade principale, j'utilisais la pierre. Et ça, c'est une tradition très portugaise, de faire seulement la façade principale avec les matériaux nobles. Ce sont des petits pays avec son argent, ils font l'image fausse, le postmoderne, le premier. I didn't have enough stone in order to construct all the walls in this stone, and therefore I used it only to construct the principal or the main facade of the house, and that is in fact very Portuguese in the sense that the house, even you know, small houses in small regions have the main facade as the noble facade, if you like, and therefore it is enveloped in that idea. Le problème de cette maison, à mon avis, maintenant, après la finir, c'est peut-être que j'ai travaillé beaucoup dans les murs de pierre. Il manque, j'ai utilisé beaucoup de pierre qui était très beau, et à la fin, je pense que le mur, c'est très complexe. Il devait être beaucoup plus clair et sans se voir l'intervention de l'architecte. Et je voulais maintenant changer des choses, par exemple couper des petits corniges. Mais c'est impossible, si je coupe les pierres, toute la structure à l'intérieur et l'imperméabilisation, on va toucher et c'est dangereux. Through working with the stone and through working this facade or this wall, the wall started to become very, very complicated and complex. Which I would like to now reframe in such a way that it becomes much simpler. At the same time, there are so many complications in terms of the way that the wall actually works in terms of its insulation and the way that the whole structure is based, that, for instance, I would like to take some of these cornices out and make it much simpler, but at the same time, there are so many constraints that it's almost becoming impossible to actually to touch it. Ce sont les deux couloirs principaux, le couloir des chambres et le couloir des salles. Et le couloir des salles, il est très haut parce qu'il fait le rapport entre les trois parties de la maison, comme j'ai expliqué, les chambres, les services et les salles.
There are the two main corridors, one, the one on the right being the corridors giving into the bedrooms, and the one on the left being the corridors that is actually going to the living areas, but halls mainly. One is, the one on the left, the corridors which are mainly for the most public spaces of the house, it is higher. And the other one was a lower space. Is the three sections explaining the three ways to close the house with glass and aluminium? Two corners, one with a window and another with a fountain, because we cannot use walls with more than 2 meters. And quand le terrain il est comme il est en pan. Comme ça, en pan, quand on arrive à 2 mètres, on doit baisser. Pourtant, j'ai utilisé le jeu de la fontaine et de l'eau pour faire les passages d'auteur. The constraint of the 2 meter is actually related to the slope of the site, and therefore I use the fountains in order to make up for this difference of height. And therefore, as soon as we reach the 2 meters, which one has to evacuate the water, that's where the fountains occur. Ça, c'était notre maison au nord du Portugal. Et c'est dans une montagne avec 2 plateformes. J'ai redessiné la plateforme qui était très organique. Et j'ai transformé le terrain en 2 plateformes plus géométriques. This is another house in the north of Portugal, in a mountainous site, or in a very slopy site. And I redesigned, or rearranged, in fact, the top of the hill in such a way that it becomes another type of a platform. But this time, the difference in this platform and the top of the hill is, in fact, that it's much more geometric. Dans le terrain, il y avait 2 maisons, comme on voit dans le plan, que j'ai réutilisé la pierre pour faire la maison que je voulais. On the site, there were 2 houses that you see on the site, and which I used in order to reuse the stone that was used in the house to build the new house. Le programme de la maison, c'est un peu étrange parce que à la fin, c'est une maison, mais avec 2 maisons en dedans. Une maison au rez-de-chaussée pour les enfants et au premier étage pour les parents. In fact, it's one house, but it has 2 houses. It's 2 houses because it's 1 house within another house, because there's one on the ground where it's the house for the c'est au rez-de-chaussée pour les enfants et pour les fils et pour les parents. Therefore, the house on the ground for the children and on top for the parents. J'ai utilisé, comme il était deux programmes, 2 maisons, j'ai utilisé 2 matériaux, 2 langages et 2 systèmes constructifs. And since it was 2 houses, even though it was within 1 house, but I've used 2 languages of construction, 2 different ideas, and 2 different types of materials. Ça, c'est le plan du premier étage des maisons des parents, que c'est un couloir au nord. Toute la maison est ouverte en vert pour une terrasse. This is the plan of the house for the parents, which is on the first level, on the top of the slide. Which is actually north-facing. You see the corridor, which acts as a terrace, completely open to the land. Les murs en pierre qui soutiennent la plateforme, ils se transforment dans la maison et après ils tournent pour le dedans de la maison.
il tourne pour l'intérieur. Pour l'intérieur. Donc ça devient intérieur. The stone wall or the stone facade that you see on the base on the outside of the house is in fact the stone which is used to for the structure, but also it turns around the house and then it actually comes into the house and therefore it becomes the interior of the house. Two details of the stair and the living is in the double height. Les murs, ils sortent de nouveau de l'intérieur et il fait les escaliers pour aller à la piscine. À la fin de la plateforme, on pense que la maison, c'est une maison avec un étage. And the wall actually comes out of the house and goes along the staircase, which then completely goes out of the house itself and it becomes part of the site. And it gives the impression that the house only has one level. Cette machine en zinc qui est dans le toit, parce que le toit est en zinc, ce n'est pas une machine, mais ce sont toutes les bancs qui sont concentrés à l'intérieur, qui ont une hauteur de 5 mètres. Ce sont tous les... Les salles de bain, bathrooms. In fact, the structure, the element that you see on the roof, which looks like machinery, which the services machinery. It's not, but it is in fact the double height of the spaces of the bathrooms, which penetrate the volume of the house and become external on the roof. À la fin, cette maison sont, comme j'ai dit, sont deux langages de matériaux, et on pense qu'ils sont très différents. Il y a cette opposition entre moderne, vernaculaire, tradition, comme ça. Mais à mon avis, c'est faux. Parce que si on peut voir ces deux images, c'est un eau, c'est le pavillon de la ville de Berlin, de l'architecte, c'est Lockhart, je pense. Lockhart. Et en bas, c'est une maison, c'était un dépôt agricole à 2 kilomètres de cette maison. Ils sont deux pays, deux cultures, c'est très différent, mais à la fin, c'est la même intention. Et seulement les milliers. La structure, les matériels qui font que la forme c'est différent, parce que l'idée c'est la même si on voit. Even though I said that there are two languages and two materials in the house that I've designed, it may connotate the differences of vernacular and modern, but I think it's false and it's not about that, because if we look at the slide on the right, even though they look different, the two images look different, but the image on the top, which is a pavilion in Berlin by the architect Lockhart, has the same idea as the image on the house below, which is in fact, even though they have this different language of materials and different language in terms of time, but still the idea and the structure is the same. La question ce n'est pas faire avec un langage. Ces jeux sont très dangereux de faire un objet avec des langages au double. La question ce n'est pas à dire ça c'est correct, pas ce n'est pas correct. Si on a choisi de faire ou utiliser dans le même objet deux façons de voir le monde, le grand problème, ce n'est pas le développer parce qu'il y a une grammaire et on peut faire le vernaculaire avec les portes, les fenêtres, la structure en pierre. Il y a toutes les règles du béton et du fer pour faire la structure moderne blanche. La question, c'est quand elle se touche. Et ça a été le problème dans cette maison parce qu'on a décidé de dessiner la maison, mais il y avait un point où tous les matériaux et tous les langages et les contradictions, elles se touchent. C'est ça le point où on passe d'un étage à la double hauteur, où la pierre, elle vient du dehors et entre de l'extérieur pour l'intérieur. Et toutes les fenêtres qui sont en aluminium, elles passent
un étage pour deux étages. Pourtant, c'est le point principal de la maison. C'est tout où les matériaux et les deux langages se croisent. C'est le croisement. Ça veut dire, si ce point, à mon avis, ce n'était pas bien résolu, la maison était un désastre. C'est seulement un jeu de faire des choses différentes. In my view, it's not the importance is not the fact that it's vernacular or modern one, and that this duality of the language that the house is trying to express. And it's not the autonomy of each of these languages which is important, but it is at that point where these two languages actually cross one another. And if that crossing is not resolved within the construction of the house, then the house would have been a complete disaster. It is those crossing points which the vernacular comes to the modern, or one material comes to another material, which are of two different natures, which allows for the two to inhabit one space or one language. But if that is not resolved, then the argument of vernacular or modern wouldn't exist, and also this house would have been a complete disaster. Bien, ça sont des projets maintenant d'habitation sociale que je fais à Porto. Je ne vais pas expliquer beaucoup, mais ce sont des sites dans la périphérie, près de l'autoroute, comme on a vu. Et je suis en train de finir le projet, et l'idée c'est faire des maisons en patio avec un étage. These are some social housing units that I've worked in Porto, and the idea is to have a one level house with a patio or a courtyard garden. Bien, c'est une autre zone de l'habitation sociale. Il y a une structure d'une rue très forte avec des maisons anciennes. À droite et à gauche, un terrain agricole qui est avec une pente. Je fais des bandes de maisons à patio parce que je pense que la solution de faire des maisons sociale, l'habitation sociale en étage, c'est un désastre. Et l'intention principale, c'est jouer avec deux concepts. Faire des maisons chères, en étage c'est cher, mais pas les finir, parce que l'économie domestique, elle peut les finir avec la peinture comme ça. Et pas faire des espaces publics, parce que ça est complètement impossible, la mairie... Pourtant, tous les espaces doivent appartenir aux propriétaires. One thing that I forgot to mention also that in terms of the siting, it's important that this social housing scheme is in fact around the périphérique of Porto. Here, on one side, there are fields, agricultural fields, and on the other side, there are small structures of houses. And the idea that I have had for the social housing with the patios or the gardens, the courtyard type, is to in fact construct them in bands, which you see on the right-hand side. But I also think that the idea of having social housing at one level is the wrong idea, because of the fact that it doesn't work, because of the fact that when it actually goes onto floors, it becomes expensive. Therefore, the social housing remains at one level. But the problem with the one level is the increase in public areas, and therefore I think public areas should not be, in fact, initiated within social housing, but they should become part of, or they should become something that they belong to, actually, the people that are going to be using, or you know, the users or the inhabitants, so that they can take care of it, and it is not managed by other people, because nobody would manage it if they are in the realm of public spaces. And
also that in terms of its economical reasons, it would be best to leave the housing at a level where it could, then the local economy, meaning the inhabitants, would actually finish off painting, you know, services that arrive to it, or and so on. Pourtant, on a vu le terrain et maintenant ce sont les bandes, et à la fin de toutes les bandes d'habitation, il y a des magasins comme des cafés, des choses. Pourtant, ce sont des murs, une couverture, et quand la couverture est finie dans la rue, comme ça, c'est un magasin, comme on voit. Je n'ai pas très bien compris dans la maquette, donc c'est... So I don't know if you heard that or not, but I'll just say that the bands, in fact, where you see the structure of the roof here, they finish into the shops, which are going along the steps, and actually the housing happens in this band, and as we go up to the topography of the site, the roofs actually finish to on the top of the steps. But this end block and the roads happen in between the bands, and the end block actually becomes shops that are interrelated. Ça, maintenant, ce sont des dessins parce que je n'ai pas le projet fini. Ce sont les images des rues secondaires, les portes d'entrée avec les escaliers pour faire les variations topographiques, les patios. Je vais montrer des dessins seulement. These are just sketches, basically, that are showing the idea of the secondary routes and the entries and an impression of how each house would function. So you have the port of entry. And ça c'est l'image de la première patio où est la cuisine à droite, à gauche et la salle. On voit toutes les matériaux sont préfabriqués toujours avec les mêmes dimensions. Seulement existe, par exemple, une dimension de fenêtre. Et la maison est bâtie, avec ses murs, avec des panneaux préfabriqués en béton. Et je laisse en béton. Si quelqu'un aime le béton, il laisse en béton. Si quelqu'un introduit les couleurs, il peut le faire avec l'argent de Noël ou des vacances, comme ça. These are impressions and sketches of the way that actually the patios or the gardens would work, but also the whole idea is to is to standardize the panels, that everything will have a standard size, with the exception of the difference of sizes in the windows, but the idea is to keep them as unfinished as possible, and to allow, if somebody wants to keep it in concrete, they leave it. They can keep it in concrete, the interior. If they want to paint it, they paint it. If they want to put, you know, wallpaper on it, depending on the way that they're. Yeah. C'est la salle. Après, c'est l'autre patio qui est de l'autre partie. Pourtant, la maison a deux patios. I think it's the last project. It's a school. No, c'est une école de minéralogie dans un campus universitaire. Avec une règle, à mon avis, très stupide, tous les édifices devaient être bâtis avec des briques rouges. Et ça, je n'ai pas compris, parce qu'on est en Portugal, à Londres, je peux comprendre, mais il n'y a pas la tradition de faire des édifices en briques au Portugal. Seulement, je connais les uniques édifices en briques au Portugal sont les fabriques de briques. Pourtant, ce que je pense, c'est que ça a été dessiné pour une urbaniste qui a, je pense, très influencé par Leslie Martin, des choses comme ça.
À mon avis, il a été mon professeur complètement stupide parce que on n'est pas. Maintenant, c'est stupide de faire des campus universitaires parce que toute cette expérience en Europe, on a vu qu'ici en Angleterre, dans les années 60, comme ça, et faire une partie d'une ville isolée pour les étudiants et les professeurs, c'est ridicule parce qu'il n'y a pas une ville pour les miliciens, une ville pour les professeurs, une ville pour les ingénieurs. Mais au Portugal, on emporte ces idées complètement décadentes. Pourtant, l'idée du campus était faire une très grande place et après tous les édifices avec la même dimension, 80 mètres de long, 3 étages, 20 mètres d'épaisseur. C'est mieux à traduire. C'était une école de minéralogie. This is geology. A project for geology. A school of geology within the university setup, and one of the ideas was to our ideas, of course, my ideas, but they had the idea that these buildings should be built in red brick, and. I could have understood this logic if we were in England, but I couldn't understand the logic of building in red brick in Portugal. On the other hand, the idea of having a campus around this area was a very stupid idea as well, because how does a campus today function, a place for, you know, these were the ideas of the 1960s, and how one would actually allow for the university to be this secular place, but today I find it's an idea which cannot work and doesn't work, and there is not a place for the school of such and such, or the teachers or the professors or the students, and there was the idea of these buildings being le chiffre je vous demande encore donc 80 meters by 20 meters wide as bars. And, j'arrête là. Mais le grand problème, c'est que tous les autres architectes ont accepté. Et ils étaient mes professeurs, et même Cisa a accepté faire la bibliothèque avec un brique. Pourtant, je n'ai pas accepté, et j'avais un peur de mourir, parce que tous mes amis, et même mes professeurs, ils allaient faire un brique. Et moi, j'ai refusé le brique, j'ai défini faire un béton. Et en pierre, parce que c'était la faculté de minéralogie et géologie. C'est pour dire que j'ai passé des problèmes terribles pendant la construction et à la fin, je n'ai pas réussi à la finir. Everybody else, nevertheless, had accepted to work within the imposed materials brick, and all the other architects also. Even Caesar had accepted to work in the materials that were imposed, and I didn't accept it. And it was all of this I'm saying because I had enormous problems within the construction on site, and that's why the building was not finished. But I decided to actually work in concrete and in stone. Ça sont les plans, sont les autres édifices. Ça, à droite, c'est la possibilité d'une deuxième phase. Pourtant, j'ai bâti un pont. Et le programme, c'est avec des normes, de l'argent très réduit. C'est une typologie très banale. C'est un grand couloir avec des salles à gauche et à droite. Seulement, dans le troisième étage, j'ai changé la typologie. Il n'y a pas un couloir au milieu, il y a deux couloirs. Latéraux à gauche et à droite, et le couloir se transforme en patio parce que ce sont les petits bureaux des professeurs l'an dernier. T'as compris? Sauf une chose, les couloirs à l'extérieur sont tous sur ce diapo. Ça c'est oui. Et puis après ça devient de deux côtés et ça devient des patios. D'accord. Therefore, the building has a very simple typology,
extremely simple. There's a central corridor, and on the sides of the corridor, there are the distribution of classrooms and the other spaces, except for the third level of the building, or the third story of the building, whereby it is not a central or a spinal corridor any longer, but the corridors actually come to the sides, and the central spine, which is the corridor on the other levels, becomes a patio, and on the sides of those are the rooms for the professors. C'est ça. C'est le couloir. On s'est dit une vie de toit. Toutes les autres édifices en briques. And that is the view of the patio from the top, and the other ones, the first slide that you saw, were all the other edifices around this building in bricks. Can you go back this on the right, please? Okay. Sont les deux façades, l'édifice il y a, ça c'est le dépôt de CISA, un dépôt d'eau, la place centrale, et l'édifice c'est un container en béton avec une règle de façade et avec deux exceptions, qui sont deux boîtes dans les deux façades, une jaune qui c'est la bibliothèque et l'autre c'est la bleue qui c'est le... un petit théâtre, un auditoire. On the two slides, you actually see the two objects, the one which is in yellow and the other one which is in sort of blue-gray. There are two of the objects on the two facades, which one is the bibliothèque or the library, and the other one, the auditorium. And on the right-hand side, you have the what's the name for water tower of CISA. Ça c'est la façade latérale pour j'ai coupé et transformé l'édifice qu'il y avait 20 mètres. J'ai coupé en deux volumes pour donner une autre expression, c'est pour n'être pas aussi lourde et donner de la lumière au couloir. I actually cut or divided the block into two in order to allow light to get into the central corridor, but also to break the heaviness of the block and reduces its weight, so it becomes lighter. L'édifice est suspendu en demi-mètre de la terre, pourtant il ne touche pas la terre. Parce qu'il y a, c'est très près de l'eau, de la mer, il y a une lumière très forte et l'eau, elle est presque dans le terrain. Pourtant, tout l'édifice est en suspension, comme on dit, avec des pilotis. The building itself is actually raised from the floor, and you can just see perhaps in the slide. And one of the reasons for that is that we're very much near the water level, and therefore the block, it's almost suspended, but it is supported on pilotis, and that's how you see this, the suspension of it and the lightness of it as well. Les façades latérales sont complètement avec des petites terrasses. Elles sont complètement en verre avec des brises soleil en pierre. The facades, the lateral facades or the side facades, are completely on glazed, and the only thing that is over the glazing on the facade are the louvers or a louver system, which is in stone. Bien, c'est un peu ridicule, mais c'est vérité. La façon plus économique de faire des brises solaires dans à 3 années au Portugal était fer en pierre. Parce que ça c'est vrai parce que quand j'étais professeur à Zurich et j'ai pensé à utiliser des brise-soleil en aluminium, j'ai demandé les prix et complètement impossible de faire des brise-soleil suisses en Portugal. Après,
des constructions qui sont autour, près de la mer, sont les dépôts de sal, qui sont en bois, avec des lames en bois, mm-hmm. avec la peinture rouge. Et j'ai pensé aux débris solaires en bois, comme Coderc. J'ai demandé les prix pour Barcelone, complètement faux. C'était un tierce du prix de l'édifice. Et à la fin, avec une petite structure à faire, avec une peinture grise, j'ai attaché des pierres rouges avec 6 cm. Et c'est plus bon marché que les autres alternatives. À la fin, les autres professeurs du campus et les autres architectes m'ont fait la critique à dire c'est de la démagogie, parce que ce que tu voulais, c'est faire des briques solaires rouges pour s'intégrer dans d'autres édifices qui étaient en briques rouges, et moi, comme j'ai refusé. Ce n'est pas vrai, parce que toutes les constructions qui sont aux alentours sont ces maisons au noir, parce que c'est la peinture noire dans le bois, ou la peinture rouge, que c'est l'oxyde de fer, cette peinture. Très long, non? It's a bit ridiculous, but I have to say that in the past 3 years, it has been more economical and cheaper to actually build Brissolet in stone as opposed to metal or wood. And when I was teaching at Zurich, I tried to obtain the price, to see if we could actually have in Portugal the same system that the metal louvers would act as brisolet, but it was impossible because the price of Swiss brisolet in Portugal was phenomenal. And I tried to do that with wood, but at the same time I realized that it would have cost about a third of the price of the building itself, and therefore I reinforced the structure within the brisolets in stone and arrived with the stone at 6 centimeters. C'était 6 centimètres, non, de l'épaisseur. 6 centimeters, and therefore the louvers came out to be the cheapest on the, as opposed to the other two types. Now, the criticism of this was that the other professors on the campus, but also the other architects, reproached me by claiming that I was being demagogical about it, that I wanted to actually integrate the color of red, which is the color of the context, into the facades of the building. But it is not true, because in fact the slide shows the color of the context and the materials of the context, which is black, gray. And the reason that there is that red is because we see the oxidation of the rusting, in fact, of the metal. Le couloir central et les matériaux sont... Tout l'édifice a trois matériaux, c'est l'ardoise, ardoise noire, et j'ai laissé les plafonds en béton. Et ça a été le grand désastre de l'édifice. Parce que ça veut dire que toutes les installations d'électricité, ventilation, air conditionné sont intégrées dans le béton. Et quand j'ai dessiné ça, peut-être j'étais fou, parce que j'ai pensé qu'au Portugal, un ouvrier qui bâtit le béton pouvait penser qu'ici c'est un trou pour la ventilation, ici c'est un tour pour une lampe. Peut-être tu vois. The floor is slate, and the ceiling is in fact left as bare concrete. I was one of the biggest mistake of contemporary architecture is the way that one has to deal with the services into with structure
in concrete. I was probably crazy to draw on the plans every single passage of the services within the slab, within the concrete slab, not realizing that the Portuguese worker had to think about where what goes where, and that could perhaps make a mistake of where the light goes as opposed to where the plumbing services have to go. Ça, c'est comme une section de l'édifice. Si on imagine le couloir au milieu, ce sont des salles à gauche et des laboratoires à droite. Et on voit que la confusion des infrastructures dans le toit, dans le plafond. If you imagine that the corridor is in the center between the two slides, these are the rooms or the laboratories and the classrooms that are on either side of them. And je n'ai pas compris vraiment la confusion dans le plafond. C'est la confusion, non, la complexité des infrastructures électriques, air conditionné, signalisation pour le feu, tout ça, qui était obligatoire mettre tout au dehors. And therefore, the whole problem that I was talking about in terms of the integration of the services within the slab that resulted in the confusion and the problems that we were left with, and therefore the services and the mess of the services that have arrived on, you know, on the walls as you see them in the slides, and not being able to be integrated into the slab at all. Et maintenant, ce sont les exceptions là. It's the library, the yellow, with a winter garden, because I think that in a library we need some privacy, and the landscape is very strong and I closed with light, but we cannot see outside. And the other exception is the auditorium, the same box but in blue. And this is an example with some kind of light, a surprise for me. And now another school in construction, and I use the same effect of the light to design the new auditorium. Here is the last project and the new project. The same shape, the same facades, but all the details are different, and I want to change and to prove if it is possible with another kind of materials and structure, if I can change the architecture. En français. Ici, l'intention était faire un édifice très vrai avec la construction, la matériel, tous au dehors. Et ici, le premier. Et pourtant, le résultat, les détails, la finiture, il n'est pas très bien. Parce que c'est comme une personne. S'il est très vrai, il y a des problèmes. Et pourtant, ce que je dois faire, je fais dans l'autre école, c'est je vais faire une structure plus fausse, des matériaux fausses pour le résultat et les images finales devenir vraies. Je passe des images. Pourtant, ça, c'est l'autre école. Ah, okay. You can explain. On revient sur les deux. Can we change to come back to the other, the two before, the two slides that we had before? Pourtant, ce que je veux dire, c'est un peu comme ça. C'est si on travaille avec la vérité, c'est un peu optimiste. Laisser le béton en désastre, penser à l'intégration de tout ça. On voit tout ça, mais comme la qualité, ce n'est pas bien, l'intention morale, ce n'est pas suffisant pour l'esthétique. L'éthique n'est pas suffisant pour
Maintenant, dans notre édifice, je vais montrer des situations horribles dans le point de vue conceptuel, mais après, je pense que le résultat va devenir bien. Pourtant, c'est de... This is another project which has exactly the same form. It's for a school as the one that we've just seen. But what I'm trying to do here, I was trying to show the reality and the truth of the materials, and also the way that they can be worked without trying to cover them in any sense. But at the same time, each of the materials have their limits and limitations, and therefore the detailing of it becomes disastrous and makes a different way that one perceives the spaces and the building itself. The examples were the example of the slab with the services, the integration of the services in it, or other details that I talked about. Here, what I'm trying to do is to see if I can manipulate the materials in such a way that I hide the realities of the material, and therefore change the perception and the form that the building is, even though it is actually exactly the same as the first project. And je suppose on va continuer sur ça. Welcome. Ça c'est l'implantation près d'une autoroute. Et ça, c'est le même thème, parce que ce nouvel édifice, va être complètement en verre, avec des lames de verre, des brises solaires en verre qui peuvent changer. Et ça, c'est un hôtel qui était en béton. Pourtant, c'est un thème que je continue avec, de la modulation de l'édifice et les brises solaires. Ici, c'est en béton, c'est un hôtel en Autriche. L'autre, c'est en pierre, et maintenant, je change pour le verre. Ça, c'est la nouvelle école. D'accord. So, here, it's the two projects, this one being the one that we just saw, but the theme, the recurring theme being the louvers, one having been the louvers in stone, the other one... J'ai oublié de ça. Ça, c'est le verre. Et ça, c'était en... En Autriche. C'est un hôtel. Oui, mais c'était la pierre, béton. C'est un béton. Le béton. And the three themes of the louvers being the concrete, glass, and stone, which is going to reoccur, and we'll see. Ça, c'est la nouvelle école. Bien, et ici on voit la dernière slide, diapo. C'est maintenant le contraire de l'autre école. On voit la contradiction de la structure, par exemple, des trous dans la structure pour passer la ventilation. Mais à la fin, je suis sûr qu'il va devenir beaucoup plus simple, parce que toutes les infrastructures et toute la vérité de l'édifice n'est pas montrée à les gens qui l'utilisent. C'est un peu comme il y a un écrivain, c'est Borges l'Argentin, qu'il expliquait dans une interview comment j'écrive. Je ne vais pas expliquer, il disait, il y a trois phases, j'écrive très, très vite, après je fais des corrections très exactes, et la troisième phase, j'introduis des erreurs volontiers. Parce que des gens qui sont à voir le livre ne peuvent pas savoir l'effort de l'écrivain. Pourtant, ce que je pense, c'est toutes ces choses qui n'intéressent rien, la structure, les façons de résoudre, les matériaux, doivent être, avec la première expérience, doivent être complètement cachés et devenir simples. Et les gens qui sont là ne doivent pas, comme dans notre école, on voit l'effort des ouvriers, d'architectes à penser que toutes ces lampes sont faites en négatif dans le plafond et des choses comme ça. Pourtant, à la fin, c'est la dernière image, c'est faire une petite réflexion, à mon avis, le futur de mon travail va être entre ces deux choses, entre la vérité des matériaux, qui à la fin, le résultat des choses qui sont très vraies
ce n'est pas très réussi. Et peut-être pour avoir des intentions plus fortes et être réussi, faire des choses qui ne sont pas vraies. C'est un dilemme entre éthique et esthétique qui est très ancien, je pense. On these two last slides, I would like to show, because it's again that this project of the school in Zurich, which here obviously we're allowing for I'm allowing for cuts within the structure, but also in the slabs, in order for the services to go through. And I think and I know that when the building is finished, in fact, all of those mishappenings that I showed you in the other building are going to be covered, and therefore the building is going to become much simpler. But at the same time, it is not going to allow for another level of communication to happen between its users and the way that the space actually manifests itself. Now, this I use an analogy, or I use an example to give you where Borges writes about how he actually writes, and he says that the first time I just write very, very quickly, then I edit it and take out all the errors. And then the third time, so that's the second time, and the third time I actually introduce the errors in it, which I find as an analogy, the same way that I've been describing these buildings. And that is the dilemma, or that is the future, or what I would like to, in fact, pursue in my work. And it's somehow the work in terms of the reality of the materials, at the same time that reality ending in a falsehood, and perhaps it is the dilemma between these two, which has always been the dilemma anyway in architecture, which I'm in pursuit of. Thank you very much. I know it's a little bit late, and I know that Nasrin has been working particularly hard, but maybe those people who have to leave, if they would like to leave very Thanks quickly, and then don't worry. Eduardo will take a few questions.